Bonjour Romain. Bonjour Rouhani et bonjour à Houda Ibrahim du service RFI. Vous êtes très très bien informé, Houda Ibrahim qui est à mes côtés justement. Bonjour. Bonjour Houda, bienvenue dans ce studio, on vous a demandé de venir, vous êtes journaliste au service Afrique, spécialiste de la Libye. Romain a justement des questions sur la Libye à vous poser, on vous écoute Romain. Oui, en Libye, j'ai lu que le maréchal Haftar s'est retiré de ses fonctions militaires en vue des élections présidentielles prochaines. Ceci, j'ai quelques questions. Mmh. Oui. Quelles sont les chances de Maréchal Haftar de remporter ces élections? Ah, alors déjà, Houda Ibrahim, soyons précis, le maréchal Haftar, l'homme fort de l'Est libyen, n'est pas encore officiellement candidat. Personne en Libye n'est officiellement candidat aujourd'hui. Oui, enfin, il y a quand même un petit signe qui nous dit qu'il sera certainement candidat. Oui, il y a des signes qui tombent de partout, mais il faut préciser qu'à l'heure actuelle, on ne sait pas si les élections vont avoir lieu le 24 décembre ou pas. Plus la date approche, plus ces élections deviennent hypothétiques. Au vu des derniers développements sur le terrain et la récente crise entre le gouvernement de Beiba et le Parlement, qui lui a retiré sa confiance la semaine dernière, ce qui accentue les divisions entre l'Est et l'Ouest libyen. Il n'existe pas non plus, à l'heure actuelle, des bases juridiques pour gérer la période d'après les élections et les prérogatives des institutions après ces élections, ni de loi électorale pour les législatives. Le Parlement a voté une loi pour la présidentielle, mais pas pour les législatives. Également, il y a les appel incessant de la communauté internationale à organiser les élections avant la fin de l'année, c'est certainement parce qu'on sent qu'il y a beaucoup de gens qui font obstruction. Oui. Alors, si toutefois il se présente, le maréchal Haftar, ce qui, quand je parlais de signal tout à l'heure, et Romain nous a tendu une perche, c'est vrai qu'il a troqué récemment sa tenue militaire pour un costume civil, et la loi électorale est très claire. Tout militaire qui souhaite briguer la magistrature suprême doit se retirer de l'armée le temps de la campagne électorale. Si jamais il se présente, quelles sont ses chances? Alors, on ne peut pas savoir, mais on peut relever quelques faits. Il est refusé par la moitié des Libyens, surtout à l'Ouest. Pourquoi? Parce qu'il est accusé d'être un criminel de guerre. Il a fait la guerre de Tripoli. Il est aussi refusé dans son propre camp, c'est-à-dire à l'Est libyen. Pourquoi? Parce qu'il ne fait pas l'unanimité non plus. Parce que Il a mené une politique de dictateur. Plein de gens sont en prison uniquement parce qu'ils ont exprimé un avis. Donc, il ne fait pas non plus l'unanimité. Et si une candidature possible de Saif al-Islam, qui a déclaré qu'il sera candidat, se présente, ben, les chances de Khalifa Haftar seront très, très réduites. Elles sont réduites. Romain, vous avez d'autres questions? Oui, mais qui soutient sa candidature en Libye et sur quel thème fera-t-il les campagnes? Alors, qui le soutient concrètement en Libye? Alors, il y a tous les militaires qui sont dans le camp de l'Est libyen. Mm-hmm. Il y a le Sud libyen qui le soutient. Il y a quelques tribus et il y a les anciens kadhafistes aussi qui le soutiennent parce qu'ils n'ont pas un autre choix. Mais si Saif al-Islam se présente, ça sera autre chose. Ouais. Je vais aller un peu plus loin que la question posée par Romain. Est-ce que des puissances étrangères soutiennent cette éventuelle candidature? Évidemment, chaque force étrangère soutient une partie de la guerre qui est sous-jacente toujours. En Libye, il y a la Turquie qui soutient le camp de Tripoli, de Misrata, et il y a d'autres forces comme les Émirats Arabes Unis, la France, qui soutient toujours Khalifa Haftar. Il y a aussi l'Égypte, mais qui a freiné ce soutien à Haftar et qui essaye aujourd'hui de mener une politique équilibrée. En quelques mots, pour répondre à la dernière question de Romain, sur quel thème pourrait faire campagne le maréchal Haftar? Probablement sur les thèmes qu'il a déjà avancés, comme la lutte contre le terrorisme, unifier le pays, et il a toujours dit qu'il faut un homme militaire pour pouvoir unifier la Libye, que les Libyens ne sont pas prêts à la démocratie. Donc la lutte contre l'islam politique, contre le terrorisme, c'est un thème privilégié pour se candidater.